Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organisent deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtement, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, Marie-Esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, 55 bis Avenue Galine, 69100 Villeurbanne. Prendre tram Terminus 4 ou Terminus 1, gare par Dieu direction Charpennes, arrêt Condorcet. Contact 0033 78 08 60 057. 0033 76 24 02 484. Comment à cet esprit de te lâcher et maintenant. Lâche-la au nom de Jésus. Je commande la puissance de la sorcellerie. Je sens que la jeune fille, elle a une étoile. Et la sorcellerie a nuit à sa vie. Et une fille qui ne va pas traverser 2017. La programmation déjà fixe sa vie. Mais dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te libère ce matin. La puissance de Dieu te libère ce matin. Lâchez-la. Lâchez-la. Dans le nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la. Maintenant. Lâchez-la au nom de Jésus. Vous allez la libérer. C'est un ordre. La délivrance. Je sens aussi que la même chose sur ta vie. Viens, ma fille. Que je prie pour toi. Tu as le max déjà de la mort. Jésus, que je prie, te délivre ce matin. Reçois ta délivrance. Lâchez son âme maintenant. Libérez son âme. Libérez son âme. Il y a un problème de famille de cette dame qui entend de détruire la vie de cette fille. Dans la famille, il y a un problème. Et c'est une dame qui est en train de nuire à la vie de cette sœur. Oui, lâchez-la. Lâche son âme. Ils ont prié pour les noirs. Ils sont allés marabouter. Ils ont prié pour les noirs. Ils ont marabouté sur le poulet noir. Ils ont cassé le cou du poulet noir. Ils ont jeté ça dans une rivière, dans la lagune. Ok. Pour détruire tout en elle. Et maintenant, ils ont pris son âme. Ils sont attachés son âme.
Mais Dieu te libère ce matin. Dieu te libère. Dieu te libère au nom de Jésus. Dieu te libère. C'est une dame qui est née pour avoir beaucoup d'argent. Commerce de paille. Elle a ce don là pour avoir l'argent, chercher l'argent. Elle a ce don. Mais la sorcellerie est en train de nuire à sa vie. Elle est en train de compter les jours. Mais Dieu va la sauver. Parce qu'elle est venue prier le Seigneur. Ceux qui nous en veulent, qui passent sous cette terre, au nom de Jésus, qu'ils cèdent le trône. Ah oui, regarde, il faut qu'ils cèdent le trône. Nous devons posséder notre trône. C'est à nous. Vous avez fini votre temps, c'est notre temps. Ah oui, maman, faites ça, faites cette prière. Dites aux sorciers, Seigneur, vous avez fait pour vous. Maintenant, là, chacun a son temps. Frère, chacun a son temps. Et la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous avez fait pour vous, maintenant c'est mon temps. Alors quitte le trône, quitte. Saül était un roi déchu, il était assis. C'est un trône qui ne lui appartenait pas. Vous devez dire aux gens à qui sur le trône. Alors si tu ne quittes pas, le feu te consume. Que la mort t'emporte. Parce que tu as su sur un trône qui ne t'appartient pas. Ce trône ne t'appartient pas. Les prières kamikazes. Nous sommes à la période des prières kamikazes. Dis à quelqu'un, prier kamikaze. Dis à quelqu'un. On va pas jouer ça, la prière kamikaze. Si tu es ma maman, tu quittes sur mon trône. Tu ne quittes pas le feu sur toi. Tu es mon père, que tu as assis. Oh, Dieu t'a déjà rejeté parce que tu as mangé les gens. Tu es mauvais. Tu m'as attaqué, tu quittes et je prends le trône. Alors si tu ne quittes pas, la mort va t'apporter. Ce n'est pas un péché. C'est quand ce héros des morts que Dieu va dire à Marie et Joseph, entrez à Jérusalem. Parce que ceux qui en voulaient la vie de l'enfant sont morts. Vous devez partir. Vous cédez le trône. La puissance de Dieu. 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 L'esprit encore là. Et son esprit encore de l'autre côté. Dieu te libère ce matin. Dieu te libère ce matin. Dieu te libère. Dieu te libère ce matin. Dieu te libère ce matin. Dieu te libère ce matin. Amenez la délivrance. Aidez-la. 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 La démangée ce matin va être bénie. Aidez-la. Ça va? Viens ici. J'ai vu un esprit. Ça va pas bien? Ça va. Non. Moi, je suis prophète. Voilà. L'esprit qui en quoi est là. Vous me regardez. Hein? Mais il est là. Lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Lâchez-la. 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 Allez. 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 Lâchez-la. Lâchez-la. Quand allez. Le feu. Le feu. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Le feu consume tes œuvres ce matin. La puissance de Dieu consume tes œuvres ce matin. Lâchez-la. Libérez-la. 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 Lâchez son don. Lâchez son don. Au nom de Jésus. Lâchez son ventre. Lâchez son ventre. Allez. Feu. Le feu consume tes œuvres.
Lâche-la. 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 Amène-la à la délivrance. Tu es Satan. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Non, 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 comment tu t'appelles? Quel est ton nom? 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 Yvette. Qu'est-ce que tu as gâché dans ta vie? Tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Depuis quand? Elle est avec toi. Depuis qu'elle était bébé. Elle est avec toi. C'est toi qui l'as élevée. Qu'est-ce que tu as vu puis tu as gâté? Tu as vu quoi dans sa vie puis tu as gâté? Qu'est-ce qu'elle devait devenir puis tu as gâté? Asseyez-vous sagement, on vient de la mesure. Qu'est-ce que tu as vu? Elle devait être autre cadre. Par exemple, donne-nous un exemple. Elle devait devenir quoi? Elle devait être diplomate. Elle devait devenir diplomate. Et c'est ce que tu as gâté. Pourquoi? Pourquoi? Ça me plaît comme ça. Ça te plaît comme ça. À part son avenir, que tu as détruit sa carrière professionnelle, qu'est-ce que tu as gâché encore? Son mariage. Son mariage. Comment tu as gâché son mariage? Tu as vendu. À qui? Hein? À qui? En ce moment, on dirait de ministre, c'est ma mère qui a vendu. C'est ma mère qui a vendu le papa. Elle qui a vendu. Tu as gâché son mariage. Tu as gâché quoi encore? Tout ce qu'elle touche. Tu n'as pas reçu. Ok. Bon, aujourd'hui, tu quittes sa vie. Tu vas la libérer aujourd'hui. Si. 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 Lâche-la. Lâche-la. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Tu vas partir et la libérer. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Lâche-la. 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 Pour aller où? Tu vas dans la ville. Dans l'océan. Et lâche-la. 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 Allez, feu. Feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Lâche-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Il y a une fille, elle est délivrée. Au nom de Dieu ce matin. Eh bien, venez ici. Vous êtes là pourquoi ici? Hein? Pour ma guérison. Tu as quoi? Bon, j'ai le palu. Pour qu'on me fait mal. Non, c'est pas palu, tu vois. Il est venu avec qui? Je suis venu à mon petit frère. Hey! Tu! Il disait que ça allait, non? Oui. Qu'il n'avait pas de problème. Je lui ai dit non, tu as des démons. Il dit non, ça va. Nous, on a la capacité de savoir. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Tu vas le libérer. Tu vas le lire.
libérer. Tu vas le libérer. Tu m'attends? Tu vas le libérer. Vous êtes là exactement pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Vous venez d'où? Je viens de... Ma grâce est qui? Grâce à ma grâce, nous sommes ici. Et lui, il avait quoi quand il venait ici? Il a dit quoi? Bon. Bon, moi, je suis quitté à Abidjan. Lui, il est quitté au village. Ok. Il a la chose là. C'est pour ça que je suis en train de... J'insiste là-dessus. La puissance de Dieu. J'espère que tu as compris. Va t'asseoir. Merci. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Le feu, esprit de la sorcellerie, esprit de la sorcellerie, esprit de la sorcellerie, le feu sur toi. 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 Ah, tu me connais pas. Tu me connais pas. Peut-être qu'il ne me connaît pas lui. J'ai terminé mon combat. Allez, je te l'ai dit. On prend du camp, domaine d'Alice d'abord. La puissance de Dieu. Ce genre d'esprit qui est dans la famille, ça n'avance pas. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Vous avez compris bien mon message. Et les gens ont compris votre place. Ils vous ont volé ça. Ce sont des usurpateurs. Ils ont pris ce qui ne leur appartient pas. Ils ont pris ça. Il faut qu'ils vous lâchent. Amen. Chacun a son étoile. S'il ne veut pas, on va mettre le feu comme Kaniba là-bas. Dans le cuir, là, excusez-moi. Kaniba là-bas. Feu! Feu! Feu, allez! Feu! Feu! Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Sur tes yeux. Comme feu! Comme allez! Détruis tes œuvres, puissance de la sorcellerie. Je détruis tes œuvres dans le nom de Jésus. Je détruis tout au nom de Jésus. Je détruis tes yeux mystiques. Je détruis tes flèches dans le nom de Jésus. Le feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Dans le nom de Jésus. 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 Le feu consume tes yeux. Feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Écrase ton pouvoir dans ce corps. Écrase ton pouvoir dans ce corps. Je détruis tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit tes œuvres. Les pasteurs, ouais, prenez-les, amenez-les là-bas. Allez. Il faut commencer à l'interroger déjà. Il est un nu. On se tient debout. On va commencer à prier. On va prier et on va s'asseoir. Amenez là-bas. Dans le pasteur Philippe, le pasteur Serge, on va commencer à parler. C'est pas en toi. Ils t'ont confié un esprit de dragon. Consciemment, ils t'ont confié. Et ce dragon-là, il te fatigue.
Et le dragon là, c'est, ça agit négativement autour de la famille. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai demandé que tu restes pour qu'on prie pour toi. Parce que c'est un esprit qui appauvrit. Ils te l'ont confié dans la famille. Voilà, donc il faut qu'on prie pour que Dieu te délivre de ça. Sinon, toi, tu vas réussir. Mais tant que tu as cet esprit-là, sinon lui, il a appelé à voyager. C'est quelqu'un qui est grand. Mais lui, on confie un esprit qui n'est pas bon. Voilà. Et si on ne te débarrasse pas de cet esprit, toi-même, ça va te détruire et ça tente de détruire ton entourage. C'est cela que depuis, j'insiste. Parce qu'on ne peut pas te laisser avec ce démon. Qui est d'accord que son sorcier tombe? Qui est d'accord que ça? Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Nous allons commencer à prier. Amen. Nous commençons à prier. Priez. Il faut dire que tous ceux qui sont assis sur votre trône, qui sont assis sur le trône de votre vie, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer, qu'ils tombent, qu'ils tiennent le trône. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Hey! Feu! Hey! Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Hey! Laisse-le s'aller. La puissance de Dieu. Hey! Qui s'habille? Qui s'habille? Allez, feu! Au nom de Jésus, tu pars, tu dégages, au nom de Jésus, tu dégages, maintenant, au nom de Jésus, maintenant même, la puissance de Dieu, la puissance. Hey! Au nom de Jésus, tu dégages le feu, priez, le feu, consume vos œuvres, le feu du Saint-Esprit, feu, le feu, consume vos œuvres, le feu, consume vos œuvres, le feu, consume vos œuvres, le feu. Consume vos œuvres. Le cœur. 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 Consume vos œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu sur toi. Le feu. Feu. Le feu. Il
Le feu du Saint-Esprit. Feu. Allez. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu. Allez. Allez. Le feu. Allez. Libère-le. Tu le libères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu 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 consume tes œuvres. Dans le nom de Jésus. Feu. Allez. Libère-le. Libère-le. La puissance de Dieu. Le feu consume tes œuvres. Au de prier pour vous, c'est délivrant dans vous l'aimer. Sorcier assis sur toi, c'est fait. Chasse-le. Comme un fait délivrant, chasse. La puissance de Dieu. Jésus, tu délivres ce matin. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le feu,
Tu vas partir de sa vie. Toi, papa Mene. On appelle ça papa Mene. Tu vas quitter sa vie. Papa Mene. Tu vas quitter sa vie. Se lever là. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Priez. C'est quoi, c'est ma délivrance qui vous intéresse. Toi, mes voici, elle pèse de sorcier sur toi. Faut détruire fait ça. Mais quelqu'un assis sur toi. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu vas réussir dans la vie. Jésus, c'est le 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 Jésus, c'est le
Et amen. Dieu va la délivrer. Amen. Au nom de Jésus, lâche-la, 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 dans le nom de Jésus. Vous n'êtes même pas les hommes de prière, vous ne priez même pas, ça vous dit rien de prier. Il faut prier.
voulez que les montagnes se déplacent, il faut que vous priez. Vous voulez voir les montagnes se déplacer, il faut que vous priez. Il n'y a pas de victoire sans combat. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Je vais m'adresser à la sorcellerie qui ne veut pas vous faire voir entrer dans la destinée. Je m'adresse à ce sorcier qui t'empêche d'entrer dans ton mariage. Je m'adresse à ce sorcier qui assiste sur tes finances. Je m'adresse à ce sorcier qui assiste sur ta prospérité. Je m'adresse à ce sorcier qui assiste sur ton voyage. Je m'adresse à ce sorcier qui ne veut pas te voir avancer. Je crains à ce sorcier. Maintenant, pendant que je prie, quand tu lâches ta vie dans le nom de Jésus, j'invoque le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu, le feu, le feu vient consumer ses œuvres. Pendant que je parle, la main de Dieu te touche. Amen. Là où tu es arrêté, une onction particulière te visite. Amen. Quelque chose vient sur toi maintenant.
quelque chose arrive sur toi. Quelque chose arrive sur toi. Quelque chose arrive sur toi. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La gloire de Dieu éclate. La puissance de Dieu. Quelque chose. Lis-toi. Reçois la puissance de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Reçois. Reçois. Recevez. Recevez dans la salle ici. La main de Dieu vous visite là où vous êtes. Quelque chose en train de se passer dans ta vie. Quelque chose. Dieu te touche. Dieu te touche. Dieu te touche. Dieu te touche. Recevez. Recevez. Recevez l'onction particulière. Dieu vous visite maintenant. Reçois. 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 Recevez, recevez, quelque chose en train de se passer. Dieu, en train de te toucher. Dieu, la main de Dieu en train de vous visiter. La main de Dieu en train de te visiter. La main de Dieu en train de te visiter. Pendant que ta main est posée à ta tête. Reçois. Recevez. Lâche-la. 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 Tu vas la libérer. 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 Lâche-la. 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 Continuez de prier. Je ne sens même pas que vous priez. Jésus vous guérit ce matin. Recevez toute la grâce de Dieu. Recevez toute la grâce de Dieu. Recevez. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Nous allons passer à la réception tout à l'heure. Oh, monsieur. Après quoi, nous allons prier encore pour les personnes. Nous sommes à une séance de délivrance. J'en profite pour déjà parler du livre. Le livre sera très bientôt en vente. C'est même pas encore sorti. Ça y est, l'imprimerie. On a déjà plus de 4000 commandes. C'est même pas encore sorti. On a déjà 4000 commandes. C'est un livre qui est plein de connaissances. Connaître et détruire la sorcellerie. Ça vous ouvre les yeux sur les œuvres de la sorcellerie. Et il y a les prières sous forme de bombes contre le royaume de la sorcellerie. C'est un livre à voir absolument. Ce livre, vous pouvez l'avoir dans vos bureaux, vous pouvez l'avoir dans vos maisons. Mettez ça seulement si vous voulez. Ça a un impact sur les œuvres de la sorcellerie. Vous écrivez les noms des sorciers comme ça. Amen. Vous mettez ça dedans. Il y a une prière que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous mettez ça dedans. Il y a une prière qu'on a de prière contre les œuvres de la sorcellerie.
pochez ça comme ça. Pendant 21 jours, vous parlez. Son nom là. Si c'est vraiment lui, il va mourir. Voilà, amen. Alléluia. Vous pouvez mettre ça dans votre voiture, vous pouvez mettre ça dans vos maisons. Déjà, la commande est déjà très forte. Amen. Elle sera vendue ici. Celui sera vendu ici. Vendu chez Pluto. Sera vendu, celui sera vendu aussi à Baruch. Alléluia. Amen. André Libi vous donnera les contacts par la grâce de Dieu. Très bientôt. Amen. Achetez le livre. C'est d'aider le ministère à combattre les œuvres de la sorcellerie et à soutenir la fondation Prophète Joël Crasso. Les orphelins de la fondation, les enfants dévenus. Nous voulons, n'est-ce pas, aider les enfants pour ne pas qu'ils deviennent des microbes. Donc il y a tout ça dedans. Et le tout dernier album de Prophète Crasso sort. La date officielle, c'est demain, le mardi 17. Nous aurons une conférence de presse à Bidjan. Précisément, André Ladibi. Il n'y a pas assez de place. Il y a au moins 30 personnes. Nous recevons au moins 30 personnes. Les 20 premières personnes qui vont, parce que le CD coûte 4000 francs. Ça s'explique. Parce que si on vous demande l'argent pour aider la fondation, vous allez dire que vous n'avez pas l'argent. Or, vous achetez le CD, ça va vous servir. La musique est là et la prière prophétique. Et nous allons profiter de ce support pour aider les enfants en difficulté. Ce n'est pas encore en vente ici. C'est quand on finit le lancement officiel qu'on commence à vendre. C'est comme ça. Hein? Tant qu'on n'a pas fini, en fait, on ne peut pas vendre. Le CD fait 4000. Maintenant, pour ceux qui veulent participer à la conférence de presse, c'est une conférence, en même temps, il y a un déjeuner. C'est de 11h, c'est ce mardi-là, de 11h à 14h. On va essayer de parler avec la presse ivoirienne et tout ça, communiquer sur ça. Les premières personnes qui vont appeler, on va leur vendre le CD à 3000, au lieu de 4000. Voilà. C'est comme ça. Donc vous appelez la responsable des barreaux communication. Elle s'appelle Miss Corinne, 08 59 51 89. Ça c'est pour ce jour-là seulement. Hein? Sinon le reste, c'est 46 07 23 28. Voilà donc. Vous appelez 08. 51, 08 plutôt, temps pour moi, 59. Appel le 08, c'est 59, 51, 89. Ok? Voilà, donc, nous avons besoin de 30 personnes. Voilà, pour la conférence de presse. Nous allons inviter ceux qui veulent être là, 30 personnes. Les 20 premières personnes qui vont appeler pour la réservation. Le CD sera vendu à ces personnes à 3000 au lieu de 4000. Après cette conférence, les CD seront maintenant désormais vendus à 4000 francs. Voilà. Juste après la conférence de presse, le cap sera mis sur Divo. Le samedi 21, c'est-à-dire le samedi prochain, nous aurons ici prière, réception bien sûr, et en même temps, tous les musiciens, tous mes musiciens seront complets et nous allons vous jouer les CD en live. Amen. Nous allons jouer tous les morceaux en live ici dans cette église, samedi et dimanche. Nous allons en profiter pour vendre, faire la vente de CD. Le vente le samedi prochain, 21, et le dimanche prochain, 22. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les CD seront à 4000. Ici, ça sera à 4000. C'est uniquement que la conférence qu'on va essayer de vendre à 3000 francs pour les 20 premières personnes qui vont vouloir déjà appeler. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Voilà, voici un peu l'annonce. Et puis j'en profite pour parler aussi de ma tournée européenne, essayez de contacter Maman Bessera. C'est du 3 au 4, tout le monde à Lyon. Tout le monde à Lyon, du 3 au 4 à Lyon pour ce grand programme à Lyon. Voilà, ce grand programme à Lyon. Vous contactez Maman Bessera. Ça partit de Lyon qu'on va essayer de commencer. Parce que on attend que tous les représentants des différents pays soient présents ce jour-là. Si mon représentant n'est pas là, il sera difficile. Voilà, parce qu'il faut que, c'est vrai déjà que l'Italie, ils ont déjà eu une salle. Bon, merci Domi, l'Italie a déjà eu leur salle, il y a la Suisse qui a déjà eu leur salle, il y a beaucoup de pays comme ça qui ont eu déjà leur salle, Suisse, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, voilà. Mais il faut que tous les représentants soient à Lyon, 3 et 4. C'est à partir de Lyon qu'on aura une réunion avec bien sûr le comité d'organisation qui pilote toute cette tournée. C'est en fonction de ça maintenant.
qu'on va commencer à parler de vos différents, donner les différents tas dans les différents pays. Tu es en Italie, viens à Lyon. Tu es en Espagne, viens à Lyon. Tu es en Allemagne, viens à Lyon. En Belgique, en Autriche, Grèce, Hollande, Suède, l'Italie, Norvège, Portugal, l'Angleterre. Déjà, mais il y a beaucoup de personnes qui sont sur la liste. Beaucoup de personnes sont en train de, ont déjà réservé les hôtels déjà à Lyon, c'est du 3 au 4. Et après ça, on aura, n'est-ce pas, la tournée. Mais d'abord ça. Et le livre sera vendu sur place là-bas. Pour l'heure, je ne donne pas encore le prix. Voilà, le secrétariat a le prix. Pour ceux de l'Europe, vous appelez le 47 00 225 47 07 23 28. Ils ont déjà le prix. Voilà, le prix. Amen. Acheter un CD, c'est d'aider, n'est-ce pas, le ministère à avancer dans la lutte contre les eaux de la sorcellerie et en même temps aider les enfants orphelins. Comme je vous disais, cette année, c'est nous-mêmes qui avons scolarisé les enfants. On a même demandé à l'école, à l'État, ils ont refusé, mais après, ils se sont ressaisis. Nous avons payé cette année le privé de tous les enfants. On n'a pas tendu la main aux gens, mais merci pour ceux qui nous soutiennent quand même. Merci, pas quand même, mais merci. Merci pour ceux qui nous soutiennent discrètement, qui le font. Voilà, discrètement, qui nous soutiennent. On ne veut pas avoir d'enfants microbes, donc on commence déjà à préparer leur avenir. Tout se prépare. Ce que l'on sait, c'est ce qu'ils récoltent. Si on ne s'occupe pas de leur éducation, ils vont prendre des marchés contre nous, ils vont nous dépecer dans la rue. Voilà, donc il faut commencer déjà à les caser, leur donner une éducation, parce que l'enfant, sa place n'est pas dans la rue, sa place à l'école. Voilà, donc l'enfant a droit à ça. Il ne faut pas, n'est-ce pas, empêcher l'enfant d'avoir accès à l'éducation. Donc nous qui comprenons par la grâce de Dieu, la Bible dit de soutenir les veuves et les orphelins. C'est ce que le ministère fait. On n'a pas forcément besoin. On a quel argent? On a quel argent? Dieu, ce que nous donne, nous partageons ça avec les gens. Ce que je disais hier, l'amour, c'est le partage. C'est quel argent on a ici? C'est quoi? On a quel million ici? Par moi, on a des difficultés pour payer le cadre, même le personnel. Mais on arrive à partager le peu qu'on a. C'est ça. C'est parce qu'on a beaucoup, mais il faut partager. C'est pour ça que je vous dis, quand je passe, ne me demandez pas l'argent. Parce que je fais déjà beaucoup trop. Pas parce que vous voyez que je donne aux gens, vous devez m'encourager à aider les gens. Si tu viens me demander l'argent, si je vais te montrer la cible, pas les demander là-bas, ils ont un milliard là-bas. Voilà. Pour faire création n'est pas cible. Voilà. J'ai fait déjà beaucoup trop. Hein? Faut pas que vous allez me demander l'argent. Vous devez m'encourager. J'ai besoin plus de l'argent pour aider les gens. Si tu me mets à cœur de t'aider, je vais t'aider. Mais pour l'heure, je vous demande pas l'argent. Les gens se mettent devant la porte et disent, j'ai besoin d'argent. Si tu n'as pas l'argent, il faut rechercher toi. L'argent que Dieu nous donne, on partage avec les gens. Donc, il ne faut pas venir dire, toi tu viens expressément ici pour demander l'argent au prophète. Je ne vais pas te donner. Voilà. J'ai déjà beaucoup de choses. C'est des enfants abandonnés. Il faut payer leur fourniture. Il faut payer leur déjeuner matin, petit déjeuner, à midi, le soir, les nourrir, il faut les chausser, il faut payer leur... Attends, c'est de l'argent, c'est des millions qu'on dépense. Il faut payer le personnel, c'est pas moins de 600 000 francs, le salaire de tout le personnel d'orphelinat. Tous les mois, il faut que ça soit régulier. On le fait, par la grâce de Dieu. Il faut payer les salles de riz, c'est des mangeurs quand même. Et mange. Un petit villageois de la délivrer. Il va manger riz gras et puis on va finir. Amen. Donc on essaie de faire le social. Parce qu'une église sans le social n'est pas une église de Dieu. Un pasteur ou un homme de Dieu qui dit donne, et puis il ne donne pas, il faut mettre son ministère en doute. Parce que Jésus a donné. Il a donné à manger aux gens. Les gens, ils parlent. Mais on dit, on reconnaît l'âme par ses fruits. Nous devons imiter Jésus. C'est ce qu'on essaie de faire dans la vie de Thibaut. On n'a jamais tendu. J'ai dit aux gens, on n'étend pas la main pour mendier. Ce n'est pas à cause de la mendicité qu'on a créé l'orphelinat. On l'a fait parce que c'était une vision. C'est Dieu qui nous a demandé de le faire. Celui qui vient nous donner l'argent, on prend, il n'y a pas de problème. Mais je ne me vois pas en train de courir derrière les politiciens de la vie. Je suis désolé. Je leur ai même dit, je ne veux pas qu'on politise. On arrive à politiser notre ONG. C'est apolitique. On n'a rien à voir avec ça. Amen. Mais celui qui se sent dedans, gloire à Dieu. Parce que la Bible même dit qu'on doit aider les veuves et les orphelins. Ici, nous soutenons les veuves. Nous leur donnons à manger. Dans le livre de Jacques. Amen. Soyez bénis. Amen. Et soyez fortifiés. Donc,
un livre, nous mettons tout ça pour avoir assez d'argent, par la grâce de Dieu, pour continuer nos combats. Un instrument de musique, c'est de l'argent. En Côte d'Ivoire, pour acheter un instrument, un orchestre complet, il faut 6 millions. L'orchestre, vous voyez là, complet, il faut 6 millions. Les musiciens qui sont avec nous, il faut les payer par semaine. C'est de l'argent. C'est pas moins de 25 000 francs par semaine qui viennent jouer. Et les gens qui cherchent, ils vivent de ça. Ils vivent de ça, ce sont ceux qui sont consacrés à ça. Donc, ça, si vous achetez, une manière de nous encourager dans le travail que nous sommes en train de faire, on ne va jamais te coucher à cause des dîmes. Non, mais il faut que tu achètes ça. En achetant ça, tu nous encourages à continuer le combat. Parce que sans argent, on ne peut rien dans ce monde-là. Ce n'est pas mon type de maréchal qui paye essence, carburant pour mettre dans ma voiture. Monsieur, je suis le maréchal de la brigade qui sorcier. Il y a trois qui les sorciers. Zéro, ça ne sort pas. Carburant ne sort pas. Quand je commence à compter, l'aiguille commence à être plat. Quand je fais sortir l'argent, l'aiguille commence à compter. J'ai dit aux gens, ne rêvez pas. Le guichet automatique ne connaît pas les larmes. Ça ne connaît pas pitié. Guichet pitié, ma maman est morte hier, il ne peut pas l'enterrer, ça ne va pas sortir. On n'a pas éduqué comme ça. Il connaît trois choses. L'argent sur ton compte, hein, ta carte magnétique, et puis connaît le code. Tu dis ça, l'argent sort. Sinon, pardon, ma maman est morte, il fait pitié. Ça ne va pas sortir. Alléluia. Sans argent, et la Bible dit que l'argent répond à tout. Sauf cela. Et puis en même temps, vous aurez beaucoup de connaissances. Ça va vous révéler beaucoup de choses. Tout ce que je suis en train de dire, la plupart de l'enseignement se trouve dans le livre. Ça va beaucoup vous aider. Et ça a été préparé avec l'onction. Depuis 2014, le livre a été annoncé. Mais on allait doucement, pas à pas, avec la prière. Et finalement, cette année, le Seigneur nous a permis de faire sortir. Donc c'est dans la prière. Il y a une onction spéciale. Vous pouvez l'essayer. Si vous voulez laisser ça quelque part, un enfant n'a qu'à toucher, il va tomber. Avant sorcier, merci ma fille. Avant sorcier, touche ton. Amen. Voilà, donc très bientôt, d'ici 10 jours, ou bien moins de 10 jours, ça sera sur le marché. Amen. Ça va beaucoup vous aider. Vous allez comprendre, vous dire, ah, donc c'est comme ça les sorciers travaillent. Connaître et détruire les œuvres de la sorcellerie. Très bientôt. Amen. Ça, c'est le tome 1. Nous sommes en train de préparer le tome 2. Amen. Amen. Ça, c'est un bon goût. On attend de préparer le tome 2 encore. Grave que le tome 1. Parce qu'il va y avoir des témoignages. Comment on arrive à détecter le dragon dans une vie. Comment le dragon opère. Comment les esprits de dragon. Comment les gens appellent le dragon dans leur famille. Comment le dragon travaille dans leur famille. Tout ça va vous enseigner ça. Pour vous ouvrir les yeux. Dans quelle région il y a le dragon. Quand quelqu'un a un dragon, comment il se comporte. Tout ça va vous ouvrir les yeux. Amen. Amen. Achetez le livre. Et ça vous fera du bien. Et puis un CD. Vous devez acheter le CD. Donc, que Dieu vous bénisse tout à l'heure pour la réception. Amen. Quand vous rentrez là, vous parlez, le prophète vous répond après, selon l'inspiration de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai tenu à vous informer, pour ceux qui veulent connaître leur enfant, la fondation, elle est pleine. Il n'y a plus de place. Il y a beau négocier, il n'y a plus de place. Il y a des critères. Selon l'État, il y a des critères de nombre d'enfants qu'on doit avoir dans un orphelinat. On a déjà, atteint. Et on ne peut pas, parce qu'il y a des visites, les gens nous supervisent, ils viennent de temps en temps vérifier si on respecte ça. Amen. Je ne peux pas aller au-delà de certaines choses. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Soyez fortifiés. Amen. Tout à l'heure, j'étais debout, non? Vous allez m'accorder au moins 40 minutes. Pour bien respirer. Je suis homme comme vous. Et puis je bois ma bouteille d'eau bien glacée. Amen. Amen. Souvent les gens pensent pas que je suis homme comme eux. Il n'y a qu'à commencer un cas. Pourquoi? Il y a des gens qui disent pourquoi un homme de Dieu se repose. Oui, c'est mes seigneurs. Elle dit, mais pourquoi tu te reposes? J'ai dit parce que je ne suis pas le Seigneur Jésus. Je me repose parce que je ne suis pas le Seigneur Jésus. Je suis crassou. C'est pour ça qu'il me repose. Même Jésus même se repose à la droite du Père. Et allait se reposer à la droite du Père. Amen. Amen. Tu m'appelles à 22h, je dis mais repose à tes nerfs. Pourquoi? Amen. Soyez bénis. Amen. Que Dieu mette fin aux œuvres de la sorcière dans vos vies. Amen.
Si sorcier rentre dans mon bureau, si tu as gros qu'elle est rentré là-bas, on va lutter. Le plus fort va gagner son camarade. Amen. Si tu as eu le temps de courir. Si tu as eu le temps de courir. Un bébé où vous ne pouvez pas déclarer aux sorcelleries, bon, on s'attrape déjà là-bas. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Comme je disais, ces mois sont très dangereux. Les mois. C'est les mois où nous devons prier pour terrasser les œuvres de la sorcellerie. Tout à l'heure, la secrétaire viendra tout à l'heure pour ceux qui ont déjà des rendez-vous et ceux qui viennent déjà d'arriver, au fur et à mesure, nous allons vous prendre. Amen. Amen. Nous allons poursuivre aujourd'hui et demain, nous allons poursuivre toute la journée, comme on l'a fait hier, le dimanche passé. La journée, est-ce que demain sera encore très pleine pour que chacun bénéficie d'une prière. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons tenir debout, passer aux offrandes.